Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec un set de tampons cadeau du jardin qui fait partie donc de la brochure Celebration janvier-février 2023 avec donc ces carottes, mais pas que. Donc c'est le but de la vidéo, c'est de vous montrer qu'avec un set de tampons comme ça où on verrait que des carottes, on peut voir d'autres choses. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter sous ces vidéos pour que je puisse être vue par le maximum de gens. Si vous voulez rejoindre mon équipe Stamping Up, c'est encore temps. Jusqu'au 28 février, vous avez les cadeaux supplémentaires pendant la période Celebration, donc qui vous fait gagner beaucoup plus de produits pour le même montant que dans l'année courante, on va dire. Donc n'hésitez pas à rejoindre mon équipe et comme ça je pourrai vous faire partager des petites astuces également. Ensuite j'en ai fait une autre un peu plus rigolote avec la carotte mais qui a des yeux. Donc vous pouvez faire aussi ce style de carte un peu rigolote, enfantine pour un anniversaire avec un gâteau de carotte ou je ne sais quoi. Mais voilà, du coup. Et vous avez vu les petits détails qui tuent quand même, ici et ici. Voilà. Parce que ça, je ne peux pas m'en empêcher. Les petits détails sont là. Voilà. Moi, c'est les premiers que je vois. Donc, je vais faire une autre version avec toujours du papier cartonné tarte au potiron. À l'intérieur, j'ai mis toujours ma base de cartes avec cette fois-ci les feuillages en vert olive. Donc, j'en ai mis que deux. Comme ça, c'est simple. Et je vais maintenant faire juste une petite carotte rigolote. Donc on va reprendre notre carotte. C'était Mélodie à la mangue. Hop. Que je mets par ici. Tant que j'ai Mélodie à la mangue, je vais prendre des petites carottes. Parce que cette fois-ci, il y aura des petites copines. Je vais les mettre. Comme ça. Comme ça. On va faire une espèce de bouquet de carottes. On va superposer. Hop. Tarte potiron. Je vais mettre du vert entre le vert olive. Alors là, normalement, c'est pour les petites carottes. Donc on va le mettre dessus. La grande. Thank you.
par terre, on va y mettre mes petits cœurs. Ça fait comme des petits cailloux en fait, donc on peut en mettre un peu partout, comme si c'était au niveau de la terre. On va reprendre une petite étiquette comme je les aime. Avec le sentiment, le même, on va prendre le même. Donc déjà là, vous voyez, c'est deux cartes différentes avec la même thématique, on va dire. Alors, je sais pas si vous allez voir, hop. Donc, je vais faire le même contour que pour la dernière carte. Et je repasse. Bon, celle-là, j'en ai mis un peu plus. On enlève la mousse 3D. Avant, je vais la coller. Et je vais y mettre mon sentiment. Par ici. Je vais y rajouter des cristaux du Rhin. Histoire de rajouter un petit peu de quelque chose. Et on va y rajouter deux petits yeux. Alors, je suis électrique, donc c'est horrible. Mais on va pas y arriver. Hop, je vais prendre ma pique pour mettre en place. C'est pour ça que j'ai fait des petites carottes. Parce que du coup, sur la grande carotte, je vais y mettre les yeux. Pour faire rigolo, en fait. Une carte un peu rigolote. Alors, je vais en mettre une. Par ici. C'est comme la carotte est assez étroite, je ne voudrais pas que les deux yeux se touchent. Mais voilà. Je trouvais ça rigolo. Je voulais faire pour les hiboux. Je spoil un peu mes vidéos, mais voilà. Du coup, je le fais aussi pour la carotte. Pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas Dieu ? Il est arrivé. Voilà. Et vous avez votre carotte rigolote qui peut être assez sympa pour les anniversaires des enfants. Bon, il y a un peu de blanc un peu partout, mais voilà, ça peut être assez sympa pour les enfants d'avoir des petites cartes interactives comme ça.
Donc voilà pour la deuxième version de mes carottes, on va dire basiques. Donc là vous en avez deux, bon, une qui est un peu plus fournie que l'autre, certes. Là je pourrais y rajouter des choses. Hein. Tel que je me connais, je pense que je vais rajouter des petits trucs là. Parce que ça fait un peu trop vide, mais voilà. Sinon, tout simple, voilà, vous avez ça. Donc je vous remontre les quatre cartes réalisées, donc deux avec des carottes, celle qui a les yeux qui bougent, donc, du coup j'ai rajouté hein, sur le blanc, voilà, j'ai pas pu m'empêcher, mais voilà, j'ai rajouté mes petits traits. Voilà, donc deux cartes carottes, cartes réalisées avec le set du cadeau, donc Celebration cadeau du jardin de chez Stamping Up. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à partager autour de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!